soir, bienvenue. Si on a tout essayé, l'équipe de ce soir, Stevie Boulet, Maureen Dor, Christine Bravo, Pierre Bénichou, Christophe Alévêque et Perry Cochard. On dirait, là. Ça va, ça suffit, ça suffit. On dirait à chaque fois au début d'émission qu'on présente une équipe de foot. Ah, c'est un peu ça. Ça dépend dans laquelle. Les buts. Pas celle d'hier soir. Hein, on va en parler. Pierre Bénichou a l'air heureux de retrouver sa Maureen, sa Perry. Oui. On peut difficilement être mieux placé, avoir à côté de soi ces deux jolies femmes et en face de soi Christine Bravo. Qu'est-ce qu'on peut faire de mieux? Il est galant, dis donc. Oui, Christine. Je vous sens touchée par cette déclaration de Pierre. Je suis très touchée. Alors, figurez-vous qu'hier, j'ai tourné une émission de Noël pour France 3 au Cirque Pinder. Et je suis rentrée... Et ils ont relâché. Je suis rentrée dans la cage d'une tigresse. Ah oui ? Il y avait une tigresse magnifique, une femelle magnifique. Et je suis rentrée et les mecs m'ont dit « Mais t'as pas peur, t'as pas peur ?» C'est elle qui avait la trouille. Elle a eu peur. Ben oui. Elle a eu peur. Elle s'est tirée en courant quand elle m'a vue. Non, je ne sais pas si c'était vraiment intéressant, mais tu elle raconte pas... bien. La photo du jour, c'est celle du capitaine du CSK Moscou. Il s'appelle Sergueï Semak, c'est son nom. On le voit là, il vient de marquer un but, il est heureux. Et il faut dire qu'il en a marqué 3 en tout contre le PSG. Il a signé la fin des illusions du Paris Saint-Germain. Bon, en même temps, c'est une belle victoire pour Laurent Fabius. Bah oui, au sein du PSG, ses idées ont été suivies à Laurent Fabius. Et même à 100%, ils ont dit non à l'Europe, eux. Le PSG éliminé de la Coupe d'Europe, c'est la Bérésina, titré même ce matin le journal L'Équipe. Ça suffit, crie même à sa une le Parisien. Paris se coupe d'Europe, peut-on même lire dans les pages almanach verbaux de Libération. Le pire, c'est pour l'entraîneur Vahid Halilhodžić. Manifestement, il ne sait déjà plus sur quel pied danser. Regardez cette photo bizarre. Ce qui est sûr, c'est qu'il va bientôt valser. Qui a regardé le match hier soir, Christophe? Cette déclaration, il est hallucinant. Tout à l'heure, je ne démissionnerai pas. Là, vous l'imitez ou c'est vous qui parlez là? Alors, je ne sais pas comment il parle. Je ne démissionnerai pas. C'est ça, hein? Ouais. Alors, tous ceux qui sont à l'arrière vont à l'avant et ensuite vont passer à la balle à Sport de Corral. Évidemment, les mecs. C'est ça? Ouais, sur le terrain. Ouais. Allez, une autre photo, celle du président Chirac en voyage en Espagne hier. Et d'accord à 100%, a-t-il dit, avec le premier ministre espagnol socialiste, monsieur Zapatero. Mais ce qui est curieux, c'est, regardez bien cette photo, alors si vous remarquez quelque chose, le président français a l'air très heureux, très souriant, très content, mais regardez, derrière, toutes les personnes qui sont derrière. Il regarde ses fesses. Peut-être qu'il n'avait pas mis de slip. Je pense pas qu'il mette des slips, Chirac, je pense qu'il est plus caleçon. Ah, c'est vrai? Ouais. Non, mais le problème, c'était pas qu'il n'avait pas mis de slip, c'est qu'il n'avait pas mis de pantalon non plus. Non, c'est bizarre. Très bizarre. Il y a sûrement une raison pourquoi il regarde pas. Moi, je suis assez content de vivre dans un pays où on peut dire du président de la République qu'il va cul nu, mais je trouve que c'est un, je trouve que c'est un peu trop quand même. Ah oui, oui. Oui, vous avez raison. On part en Ukraine, où des scientifiques l'ont confirmé, le candidat de l'opposition, M. Viktor Yushchenko, dont le visage, vous le savez, a été transformé en 3 mois de temps, a bel et bien été empoisonné. En tout cas, c'est ce que confirment les services secrets autrichiens, en tout cas les médecins autrichiens chez qui il a consulté. En tout cas, s'il perd les nouvelles élections, il compte demander le droit de clair asile à la France. Christophe, si on regarde bien les photos, c'est un homme quand même qui veut copier sur le modèle occidental. Donc, avant le fast-food, après le fast-food. C'est vrai que les Ukrainiens manifestent pour obtenir une amélioration de la démocratie dans leur pays. Il ferait mieux de commencer par la dermatologie quand même. Une autre photo publié par le Figaro, celle du chasseur mis en examen hier pour avoir tué le fameux ours Canel, ou la fameuse ours, puisque c'était une femelle. Le Figaro nous précise que l'homme qui avait ouvert le feu sur Canel, alors qu'elle était en train de le charger, a été laissé libre sous contrôle judiciaire. Oui, c'est bien, il y a peu de chances qu'il recommence quand même dans les semaines qui viennent. En plus, il a déjà eu à subir le regard de la famille de la victime, et ça, c'est déjà une punition. Moi, franchement, je trouve que ce chasseur, faut pas trop le charger, hein, ne serait-ce que par prudence. En tout cas, moi, je l'excuse complètement. Ouais.
C'est-à-dire, j'ai entendu son avocat hier, c'est tout à fait plausible ce qu'il dit. Il était là, bon, peut-être qu'il ne devait pas être là. Il a vu le tigre arrive vers lui, il tire. Le tigre. Je veux dire, il y a l'ours arrive vers lui, il tire, enfin, je veux dire. C'est-à-dire que s'il a vu un tigre, effectivement... Il n'y a que dans les salons de thé de Saint-Germain-des-Prés où on croit qu'on peut faire une pirouette, s'en aller, dire non, c'est une espèce protégée. On reste dans le domaine animalier. Avec le feuilleton de la capture du renne du bois de Boulogne. Alors, on a carrément un roman photo dans le Parisien ce matin. Rigmore, le renne du cirque Messidor, a d'abord reçu, ça se passe vers 15h, une seringue anesthésiante qui a été tirée par un policier ou un pompier. 15h15, hein, un quart d'heure plus tard, photo où on voit les pompiers qui s'approchent de l'animal pour le ficeler. 15h45, les pompiers ramènent enfin l'animal jusqu'au cirque. C'est un feuilleton formidable qu'on suit là. Surtout que le renne du bois de Boulogne, moi, je croyais que c'était un brésilien. J'allais le dire. Bah, il a quand même passé une nuit au bois de Boulogne. Il est content, le renne. Il paraît qu'il a fait 3000 balles. Bon, c'est déjà pas mal. Stevie, un mot à dire? Non, mais c'est ça. Eh ben, c'est bête, tu vois. Je sais bien que je t'ai dit là-dessus. L'affaire Manodou, maintenant, c'est confirmé. Notre championne olympique ne participera pas au championnat d'Europe en petit bassin à Vienne pour cause de différends entre son entraîneur Philippe Lucas et le directeur technique national, M. Claude Fauquet, qui avait commis la maladresse, il faut le dire, dans l'équipe magazine, de déclarer que le record du monde en solitaire de Laure Manodou en petit bassin, c'était à La Roche-sur-Yon le 20 novembre dernier, ne pouvait pas vraiment être homologué parce que c'était pas un record comme les autres dans un bassin qui était sans turbulence, sans remous. Résultat, ben voilà, il voulait que ça pète, ça a pété, hein, y a eu des remous. La prochaine fois, ben, elle aura qu'à faire, je sais pas moi, ses records dans un jacuzzi, comme ça, elle sera sûre que ce sera homologué. Ce qui est certain, en tout cas, c'est que l'entraîneur de Laure Manodou, M. Philippe Lucas, franchement, regardez-le bien, ce serait salaud de lui refuser une coupe. Hein. Mais c'est vrai, ça. Je dois dire, à un moment de ma vie, j'ai essayé de maigrir et j'allais au PUC pour nager. Et donc, d'accord, tu avais des lignes, tu avais des lignes... Tu y allais en crin. Il y avait des lignes de mais nage... Mais vous allez au PUC combien de fois par semaine, Justine? Ah oui, c'est... oh là là, d'accord. Et donc, il y avait à peu près 8 lignes, et on laissait pour... Je crois que tu avais arrêté. Alors, vous allez au PUC, vous prenez 8 lignes, après qu'est-ce que tu vois? Et là, il voit une tigresse. Tu y allais par le rail ou quoi? Alors, PUC, c'est Paris Université Club. Voilà. Ah. Et donc, c'est là où s'entraîne l'équipe de France. Je vous jure que quand ils se mettaient à nager, les nageurs, nous, on reculait. Ah oui. On reculait. Tellement ça faisait des remous. Tellement ça faisait des remous. Je ne pouvais pas nager. C'est pas crôle ce que vous racontez. Oui, Pierre. Moi, je suis à fond pour Mademoiselle Manodou et pour son entraîneur. Le jour où elle rapporte des médailles à la France, on dit, ah, c'est formidable. Un autre jour, elle fait un record dans un petit bassin. De quel droit il ouvre sa gueule? Et il dit, c'est honteux, c'est pas bien, c'est un petit bassin, il n'y a pas de remous, mais ferme ta bouche, mais enfin, je veux dire. Et cache-toi. Bravo, Pierre, je suis totalement d'accord avec toi. Très grande championne. On termine par le film des Dalton qui sort aujourd'hui. Alors, pas toujours très bien accueilli par la presse quotidienne. Le Parisien titre même, c'est Dalton se moque de nous. Le problème, c'est le casting. Bon, Eric et Ramzy, c'est bien, mais il y avait mieux à trouver. Franchement, regardez, avec ces Dalton-là, par exemple, ça aurait tout de suite eu de la gueule, vous voyez. Pasqua, Juppé, Debré, Chirac dans les Dalton. Vous mettiez pour Mme Dalton, regardez, elle n'est pas superbe, Mme Dalton, Michel Alliomari, ça aurait été beaucoup mieux. Sarkozy dans le rôle de Lucky Luke qui tire les photos plus vite que son ombre, là ça aurait de la gueule. Bon, vous me direz, il manque Rantanplan. Bah, il suffisait d'aller au refuge de Matignon, regardez, il est prêt, il attend.
Depuis plusieurs semaines, l'Ukraine traverse une profonde crise politique. Tout le monde suit ça dans les journaux, évidemment. Le lendemain des élections présidentielles de novembre, le candidat pro-occidental Viktor Yushchenko a ouvertement accusé son adversaire, pro-russe, lui, qui s'appelle Viktor Yanukovych, de fraudes électorales et a appelé la population à descendre dans la rue pour protester. On appelle ça, vous le savez, la révolution orange. D'immenses manifestations ont eu lieu dans le pays, en Ukraine, et Yushchenko a finalement obtenu gain de cause puisque de nouvelles élections auront lieu à la fin du mois. L'occasion pour lui de faire peau neuve, je dis ça évidemment suite à ses accusations aussi d'empoisonnement et à son visage transformé, on vous l'a montré en début d'émission. Pour parler de cette situation politique délicate en Ukraine, parce qu'on lit beaucoup de choses, on va accueillir quelqu'un qui lui alors dit tout le contraire de ce qu'on peut lire dans les journaux, c'est pour ça que c'est intéressant, on va essayer de voir ce qui est vrai et ce qui est faux dans tout ça. C'est le président d'un grand groupe de presse ukrainien, on le connaît aussi chez nous, mais il s'occupe beaucoup de l'actualité là-bas parce qu'il a de nombreux médias à sa botte, on va dire. Voici monsieur Omar Arfouch. Bonjour. On va d'abord préciser, Omar Arfouch, que vous n'êtes pas ukrainien. Non, je suis libanais d'origine. Mais vous vivez là-bas essentiellement? Depuis très longtemps. Je viens juste à Paris les week-ends pour voir mes enfants, mais tout le reste du temps, je suis là-bas. Vous êtes en Ukraine toute la semaine? Toute la semaine, oui. Bon, donc et au Queen le samedi et dimanche? Je ne connais pas du tout. D'accord. Mais elle peut vous emmener. Non, je sais pas. Non, mais je sais pas pourquoi vous me demandez. C'est pour savoir si je suis homosexuel. Ah ou... non, pas du tout. Je ne le suis pas. Parce que vous l'intéressez, en fait, oui. C'est ça. Oui, c'est pour ça que je réponds. J'espère que non. Oh, il est pas mal, écoute. Ben, c'est un bon parti, en plus. Pour un expert de la géopolitique de l'ex-Union soviétique, c'est très intéressant de savoir s'il va au Queen ou pas. C'est intéressant, avant de parler de la situation là-bas, c'est effectivement de faire mieux connaître Omar Arfouch à nos téléspectateurs. Donc, avec votre frère, vous avez fondé en 1995 le premier groupe audiovisuel ukrainien, c'est exactement, bien ça? Exactement, puisque on a fait une radio FM, alors que la bande FM n'existait pas. Ça appartenait au KGB et à l'armée, et on était les premiers à faire une radio, et qui est aujourd'hui la radio la plus importante là-bas. Bon, en presse, vous avez quoi? J'ai 13 titres de presse, dont un qui est l'équivalent de Voici, en Ukraine, qui est très lu et très demandé. Et j'ai aussi d'autres genres de presse. Et à la télévision, vous avez des chaînes aussi? Oui, j'ai une chaîne qui s'appelle OTV, qui passe beaucoup de clips et des défilés de mode. En fait, ça, c'est une chaîne un petit peu de divertissement plus que politique. Bon, alors, donc, on n'est pas un expert de la politique ukrainienne, quand même. Quand même, il se trouve que j'ai représenté l'Ukraine au Conseil de l'Europe pendant 3 ans, quand l'Ukraine est devenue indépendante. Ah, oui. Et donc, je connais très bien la politique ukrainienne, et puis je suis très proche du président actuel, là, qui est encore président. Alors, pourquoi on vous invite? Parce que, effectivement, dans tous les journaux français, occidentaux, on sent bien qu'il y a plutôt une tendance à soutenir ce pauvre candidat dont le visage a été transformé en quelques mois. Je parle de Yushchenko. Je regarde mes fiches parce qu'entre Yushchenko et Yanukovych, il ne faut pas se tromper. Non. C'est Yushchenko, on le voit là. C'est lui qui représente, on va dire, le souffle de l'Occident, l'européanisation de l'Ukraine. C'est lui qui représente l'opposition. La démocratie. C'est en tout cas ce qu'on lit dans les journaux. Lui, il accuse évidemment son adversaire de fraudes électorales, fraudes quand même qui ont manifestement été prouvées puisque la Cour suprême a décidé qu'il y aurait de nouvelles élections à la fin du mois. Oui, ils ont prouvé ça, mais ils n'ont pas dit qui a fait des fraudes en réalité. Ah. Donc ça peut être l'un comme ça peut être l'autre. Ils ont juste dit il y a eu des fraudes massives. Et nous, on lit tout ça et puis vous arrivez et vous dites bah, quasiment tout le contraire. Vous dites que finalement, c'est pas très bien pour l'Ukraine ce qui se passe là-bas en ce moment. Ah non, pas seulement c'est pas très bien, mais en France, je ne sais pas pourquoi en fait on soutient beaucoup Yushchenko. Alors on dit qu'il est pro-occidental. En fait, il est pro-américain, il n'est pas du tout pro-occidental. Et l'Occident, de toute façon, s'en fout complètement de l'Ukraine et de ce monsieur. Et on dit que l'autre est pro-russe et le dauphin du président actuel. Alors que ce n'est pas vrai du tout. Il se déteste avec le président actuel. Il s'est imposé comme candidat lui-même. Je comprends bien qu'on veut déranger la Russie. On n'est pas content que ça se passe mieux en Russie et que l'Ukraine se porte bien. On a encore peur d'une guerre froide. Et on voit quand même que le temps il est en train de monter entre Bush et Poutine. Et si l'Ukraine revient avec la Russie comme deux pays forts dans cette région-là, ça veut dire qu'à long terme, on peut avoir une deuxième guerre froide. Vous allez encore plus loin en disant que tout ça est manigancé par derrière
par les Américains qui financent... Qui financent en argent liquide sur place. C'est-à-dire, si maintenant vous n'avez rien à faire ce week-end, au lieu d'aller au Queen, je vous inviterai à Kiev. Vous pouvez passer 24 heures, vous gagnez 100 $ par nuit. Vous êtes sûr de ce que vous avancez là? Je suis plus que sûr. Il y a même eu des reportages. J'en ai vu un en France, un seul, sur une chaîne concurrente. On aurait compris que vous n'êtes pas révolutionnaire. Quoi, alors moi, tous mes employés, j'en ai quelques centaines, ils sont tous orange. Alors sur tous les ordinateurs, ils ont les étiquettes orange. Vous savez d'où ça vient, cette histoire de révolution orange? Pourquoi orange? Ouais, moi, je sais. Oui, non, mais je demande aux autres. Ah oui, vous, j'espère que vous savez. Vous savez pourquoi? Allez-y. Parce qu'en fait, la couleur orange, c'est la couleur du refus, par tradition chez eux, j'ai appris ça, qu'une femme qui veut décliner l'offre d'un monsieur, par exemple, en lui envoyant un potiron. Et quand elle n'a pas de potiron, ou une citrouille plus exactement, eh ben elle envoie quelque chose d'une couleur orange, ou une écharpe, ou un foulard, ou un truc comme ça. Et c'est de là que ça vient. C'est vrai ou pas ça? Non, bon, juste une chose, c'est que je n'ai jamais vu une Ukrainienne qui décline une proposition d'un homme. C'est un malin, hein, oui, attention. Pierre Bénichoux. Moi, je voulais poser une question. Vous dites que vous arrivez à 17 ans en Ukraine. Ouais. 17 ans en Ukraine, quand vous avez 17 ans, j'imagine que l'Ukraine fait encore partie de l'Union soviétique. Exactement. Que va faire un financier libanais, aussi playboy, aussi dans le coup, aussi machin, dans un pays d'Union soviétique? Ils ont le flair. Ils ont le flair. Vous travaillez, vous n'avez pas... Non, je n'étais pas financier à 17 ans et mes parents ne sont pas riches non plus. Je suis arrivé parce que j'étais lauréate d'un concours de piano que l'Union soviétique avait organisé et moi j'ai fait mes études de musique là-bas. Ah, ça et c'était l'Union soviétique, j'ai vécu en Union soviétique comme tous les Ça n'avait rien à voir avec les services secrets comme vos détracteurs le disent. Non, 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 je suis devenu agent secret bien plus tard. Ben non, mais Pierre, elle est au bout là, on ne comprend pas. Écoutez, on est dans une problématique quand même très, très compliquée, très, très, comme ça, névralgique, avec l'Europe et comme ça. Et vous allez dire dans une interview, on fait plus d'affaires depuis 3 semaines. Oui, en effet, il y a une révolution, mon cher. Je veux que ça bouge. Je veux que les jeunes contrôlent un petit peu plus la situation, parce qu'on va vivre tous mieux. Je suis contre la méthode et le temps. C'est très mal décidé maintenant. L'Ukraine, elle était en pleine expansion, et d'un seul coup, on l'arrête. Ça, c'est d'un côté. De notre côté, tout ce que les Américains font, à chaque fois, je doute. Je me dis, bon, si c'est les Américains qui financent, donc il y a quelque chose qui ne va pas. Ce n'est pas sincère, ce qui est en train de se passer. Et ce que vous ne savez pas, c'est que Yushchenko, le chef de la révolution, sa femme est américaine. Ses enfants sont américains. C'est sa deuxième femme. C'est sa deuxième femme, parce que la première... Et vous ne seriez pas payé par les Russes, par hasard? Non, non, pas du tout, pas du tout. C'est pas un péché mortel. Vous allez même jusqu'à dire que ce n'est pas vrai qu'il a été empoisonné, que ses problèmes de peau, ça n'est pas dû... Alors, il y a eu plusieurs histoires. C'est un mauvais savon, c'est quoi? Non. Non, Victor, moi je le connais personnellement, je connais ses enfants et sa femme. Lui, il sait très bien ce que je pense, parce que je le dis toujours. Qu'est-ce qu'il a eu? Lui, il a une maladie depuis 10 ans. De pancréas, et il savait ce qu'il ne devait pas manger. Il était invité juste la veille des élections chez le chef de service secret ukrainien, et le lendemain, sa maladie s'est déclenchée. Il a failli mourir. Moi, je peux vous dire quand même qu'il était gonflé vraiment énormément. Pendant 5 jours, tout le monde pensait qu'il allait mourir. Et puis après, bon, ça va, ils l'ont un petit peu arrangé, mais le visage... Ils l'ont arrangé? Ça, il n'y a que le visage qui est comme ça, parce que physiquement, ça va mieux. Il y a quelque chose d'assez désagréable dans ce que vous dites. Parce que vous accusez quelqu'un qui ne se défend pas, mais quelque chose d'assez courageux. Car cet homme, malgré sa maladie, va sûrement être Premier ministre d'ici 2-3 mois. Donc comment vous allez faire là-bas? De toute façon, dans ma situation, c'est win-win. Je gagne à tous les coups. Je critique un démocrate et je soutiens un non-démocrate, pour vous. Donc si le non-démocrate, il gagne, je l'ai pas critiqué. Et si le démocrate, il gagne, je lui dis, mais c'est ça la démocratie, vous devez accepter. Oh là là! Pourquoi tu fasses des enfers? Moi, ce qui m'intéresse, parce que ça aussi, c'est une des déclarations que vous avez faites, ce qui m'intéresse, c'est qui souhaite cette révolution? Parce que vous dites, c'est une révolution intellectuelle, une révolution élitiste, mais que dans le reste du pays, on est plutôt en faveur de l'autre candidat. Oui, parce que là, il y a les montagnes qui sont traditionnellement pro-polonais et pro-occident. Là où il n'y a que des villages, il n'y a absolument rien là-bas que de la culture et rien que ça. Eux, ils soutiennent bien sûr l'Occident. Et le reste, qui sont riches, qui font nourrir tout le reste de l'Ukraine. Il soutient un Premier ministre qui était gouverneur là-bas depuis des années et qui fait marcher quand même le pays. Comme vous le savez, il y a une partie de l'Ukraine qui est polonaise, une partie de l'Ukraine qui est russe. Les Polonais veulent entrer dans l'Europe, les Russes veulent rester avec Poutine. Bon, c'est plutôt les pro-polonais qui sont en train de gagner. La tendance est là. Où est le problème pour un Ukrainien
qui parle russe à la maison d'être pro-russe. J'arrive pas à comprendre pourquoi ici, alors on accuse quelqu'un d'être pro-russe. Non, mais alors, on voudrait qu'il soit indépendant. L'idée, c'est ça. C'est que pourquoi ils doivent être soumis à un pouvoir étranger. Les Russes sont aussi pro-ukrainiens, parce que quand même, ça fait des siècles que ces gens-là sont vivent ensemble. Les Russes sont pas pro-ukrainiens. Les Russes sont pro-russes. Et après, il y a quand même 25 millions d'Ukrainiens qui vivent en Russie. Ce sont tous des frères. Les Russes et les Ukrainiens sont des Slaves orthodoxes et vivent ensemble depuis des centaines d'années. Ils ont toujours existé ensemble. Et la première Russie, si vous lisez l'histoire, était la Russie de Kiev. C'est-à-dire que le Kremlin ukrainien était la capitale de toute la Russie entière. Je ne prends absolument pas pour argent comptant tout ce que vient de dire Omar Harfouch dans cette émission, et j'espère que ce sera le cas de nos téléspectateurs aussi. Pas plus, et je pense que c'est le seul message qu'on peut retenir de notre invitation de ce soir, pas plus que peut-être il faut prendre pour argent comptant l'unique son de cloche qu'on a tendance à lire dans la presse actuellement. Allez, on va vous remercier, Omar Harfouch. Après, chacun fera son avis, on va suivre les prochaines élections entre Viktor Yanukovych et Viktor Yushchenko à Kiev à la fin du mois. Merci beaucoup. Au revoir. Nous allons maintenant accueillir un duo d'humoristes de Lascar qui ont débuté sur Canal+, aux côtés de Jamel Debbouze, et qui ont ensuite fait le Visiophone, ou Visiophone d'ailleurs peut-être, pendant 4 ans sur la même chaîne, sur Canal. On les a récemment vus au cinéma dans le film Le Carton, une adaptation du succès, d'un carton théâtral. Vous avez reconnu peut-être, il s'agit d'Omar et Fred. Il y a quelques mois, ils se sont lancés sur scène et depuis le 12 octobre, ils sont à nouveau au Théâtre du Temple à Paris pour la reprise de leur spectacle Omar et Fred, ça porte leur nom. Et samedi soir prochain, il y aura un petit plus, ils seront à l'Olympia pour participer à la Nuit du Rire, une sorte de soirée des enfoirés, non pas au profit des Restos du Cœur, mais c'est tout aussi bien au profit du Secours Populaire. Bref, c'est l'occasion pour nous de recevoir Omar et Fred. Je le dis pour qu'il n'y ait pas de confusion à mes côtés. C'est Fred, là c'est Omar. Voilà. Voilà. Omar, c'est mon nom préféré. Oui, c'est une soirée, Omar, ce soir. C'est fête, qu'est-ce que vous voulez. Omar Harfouch, Omar. Vous, on ne connaît pas vos noms de famille, en fait. Omar, si, S-Y. Ah, très bien. Et Fred? Fred, si, S-Y. Vous êtes sur la scène du Théâtre du Temple. En ce moment, c'est à 20h le spectacle. On va en parler, puisque je crois Maureen Dor et Perry Cochin sont allés vous voir. Mais il y a un petit plus. On voit l'affiche. Donc autant en parler, c'est la Nuit du Rire à l'Olympia. Là, autant le dire, hein, vous n'êtes pas tout seul. Il y a des tas de copains. Enfin, je pense qu'ils sont tous copains d'ailleurs, mais enfin, en tout cas, il y a une pléiade d'humoristes, on va dire. Hein, c'est comme ça. C'est joli, pléiade. Un méli-mélo, voilà, si on peut dire. Voilà, une farandole. C'est comme la farandole des desserts. Une kyrielle d'humoristes. Une fricassée. Pardon ? Il me fricasse alors, mon frère. Des humoristes à volonté. Alors bon, Baffi, Montagnier, Mousse Diouf, Anne Romanoff, Sylvie Joly. Il y a tous les genres, hein, c'est ça qui est bien. Titoff, ouais. Danny Boone, Tex, Muriel Robin, Philippe Lelouch, Commander et Good. Vous, en faveur du Secours Populaire, c'est le 11 décembre, samedi prochain à l'Olympia. Il y a même, je crois, pour les humoristes qui ne seront pas présents sur scène, un grand écran sur lequel on verra les sketchs des meilleurs humoristes. Ah oui, c'est la foire à la rigolade. Hein. Ah, c'est la Nuit du Rire, ça dure toute la nuit. Ah, il faut venir, ouais. Nombreux. Voilà. Mais alors comment ça marche? Il faut réserver ses places? Il faut les acheter? C'est quoi? Tout à fait, ni oui. Ni l'un ni l'autre. Oui. C'est ça. Tu ne réserves pas et tu n'achètes pas et tu n'y vas pas. J'avais entendu une question. Maureen Dor, vous êtes allé au Théâtre du Temple applaudir. Je ne sais pas, mais en tout cas, voir Omar et Fred. Et je crois que vous avez applaudi. Oui, oui, j'ai été les applaudir. Et pourtant, j'y allais, j'avoue, un petit peu à reculons, parce que je n'aimais pas trop votre image de télé, votre humour. Je me disais, bon, voilà, il n'est pas pour moi. Et je les trouve... Je trouve qu'il y a un vrai décalage entre l'image que vous donnez à la télévision d'un peu de glandeur, vanne facile, un peu potache, etc. et le travail qu'il y a sur scène. Ils jouent bien, leurs sketchs sont bien écrits, sont mis en scène. La salle était debout à la fin du spectacle. C'était un mardi soir à 8h, c'était bourré. À 20h. C'était à 20h, c'était vraiment. Bourré, les gens étaient debout. Gens vous aussi, vous y étiez. C'était bourré à craquer, les gens debout derrière, dans les escaliers, les petites marches et tout ça. Donc, déjà, bonne surprise. Bon esprit. Et puis, là-dessus, ça commence et je me dis, merde, je vais encore passer une plombe à me faire chier. Toi aussi ?
Oui, je me suis dit... Ce que vous leur mais non, mais non, justement, et au bout de 5 minutes, je suis rentrée dedans, parce que je ne suis pas rentrée instantanément. Je suis rentrée dedans, ils sont sur un humour très jeune. Il faut dire les choses, ça ne s'adresse pas à un public de 50 ans et plus. Ah, mes parents ont adoré, oui, moi. Oui, mais c'est tes parents, hein. Et ils avaient déjà des parents. Mais pourtant, non, pourtant, ils ne m'apprécient pas plus que ça, mes parents. Ouais. C'est bien la preuve. J'ai rien, vous n'êtes pas si jeune que ça. Je pense voir un public plus... Cité, banlieue, jeune... Ouais, hop, hip-hop, bon, oh, pas du tout. Oh, tu le fais bien, bien, non. Tu le fais bien. Voilà. Et bah pas du tout. Tu ne jamais en banlieue en faisant ça. J'ai trouvé ça sympa parce que pas de langue de bois. Ils attaquent différents sujets, aussi bien l'emploi que le couple. Que, enfin, il y a pas mal de sujets qu'ils abordent de manière très drôle et hyper bien vue. Bravo. Bon, merci. Bravo. Voilà, c'est positif. On est content. Christine. J'ai envie qu'ils donnent envie aux gens qui ne les connaissent pas, puisqu'apparemment c'est un phénomène Canal+, et qu'effectivement les gens qui ne regardent pas Canal, dans mon genre, ben on ne vous connaît pas. Donc j'aimerais que vous nous disiez un peu ce que vous êtes, parce que pour moi, Fred et Omar, c'est comme... Omar et Fred. Hein. Ah, Omar et Fred. Ouais, Fred et Omar, c'est pour le cinéma. Est-ce que voilà, c'est plus près de Chevalier Las Palès ou de Cadéo? Ça se voit. Je trouve que... Quoi? C'est un peu près de, j'ai eu parfois des moments d'Élysée Moon et Dieudonné à la Belle Époque. Oh, c'est trop d'honneur, c'est trop d'honneur. Justement, il y a plein de couples de mecs. Et vous trouvez pas que ça fait encore un groupe de trop? Un couple de trop? Bah oui, ils vont me dire oui, tiens, ouais, tu penses. Non, mais... Oui, alors, de toute façon, on arrête dans deux jours. Qu'est-ce qui vous distingue? Moi, j'ai envie d'aller vous voir, donc donnez-moi une envie. On est super. Ouais. Non, je pense qu'on a un humour ravageur. Voilà, un humour ravageur. Ça distingue des autres. Non, mais non, par rapport aux autres. Je sais pas, nous on a eu la chance déjà, quand on a commencé, ce qui nous distingue peut-être des autres, c'est que Jamel nous a mis le pied à l'étrier comme Eric et Ramzy en rigolant, ouais, en rigolant. Un peu nos parrains, un peu les mecs qui nous ont un donné envie. Quoi. Et après, un deuxième jour. Deuxième chance, vous n'êtes pas dans les Dalton. Ça c'est vous qui le dites. On soutient, nous. On soutient. Non, on a bien aimé en plus en vrai. Ouais. Pierre Bénichoux. Je trouve formidable, moi, toute cette bande de Canal+, parce que ça a ouvert vraiment le truc à des Maghrébins, à des Africains, Jamel, tout ça. On a vu que l'humour pouvait être multiracial. Et ça, c'est un pas énorme fait dans le truc. Mais là, maintenant, votre numéro à deux, vous jouez beaucoup sur le côté noir et blanc. Et il y a beaucoup de plaisanteries. C'est moi le blanc, c'est moi le noir, Christiane Machin, Christiane Machin. Vous n'avez pas peur que ça finisse un peu comme Élysée Moon et l'autre, là, je ne sais plus son nom. Les deux, là. La mauvaise foi. C'était révolutionnaire, c'est devenu du patronage maintenant. Mais on y pense pas d'accord du tout. Je vous le dis. Non, non, je pense. En fait, je pense que les meilleures personnes pour parler du racisme aujourd'hui, c'est quand même nous, parce que je suis noir. Et je suis blanc. Il est blanc, ouais. Et donc, en fait, ça, on l'a vécu. Donc, on est bien placé pour en parler. Et d'ailleurs, je trouve qu'on en parle très bien. Très bien. Vous venez d'où? Très bien. Stevie, qui n'a rien dit? Allez, Stevie. Mais moi, je les connais, moi. Ah, voilà. Évidemment, je les connais. Je les ai regardés dans des séries comme H. Non, c'est pas vous, H. Je les ai vus dans un. Derrick. J'ai bien vu, Derrick. Non, c'est pas H, pardon. Moi, j'ai une question à vous poser. La mode est que les comiques fassent du cinéma, comme on peut voir Eric et Ramzy en ce moment, ou comme plein d'autres, comme Gad Elmaleh. Comme maintenant Charlie Chaplin, tout ça, ouais, les comiques qui font du cinéma. Est-ce que maintenant, votre prochain projet, ça serait éventuellement de vous lancer dans le cinéma, puisque vous avez fait déjà, des Two Man Show? Oui, mais se lancer, faire une carrière dans le cinéma. Oh, il prononce mal, mais je comprends ce qu'il veut dire. Ah, vous comprenez? Allez-y, je vous écoute. Allez-y. Avant, il y avait des acteurs comiques et des fantaisistes comiques qui étaient sur la scène. Bon. Et que Fernand Reynaud n'a pas fait de cinéma, et qu'il y avait des acteurs comiques comme Louis de Funès, qui ne faisaient pas, lui, de one-man show. Maintenant, on passait plus volontiers, comme Jamel l'a fait, du sketch au cinéma. Si tu voulais pas dire ça, alors moi, je peux peut-être répondre, ou Maureen, je pense que j'ai la réponse. Fred, je pense que la réponse à cette question, c'est de pouvoir faire
du théâtre et du cinéma et de la radio et de la télévision et se faire plaisir du moment qu'on s'amuse. Voilà. Vous avez un concurrent, attention, qui vous regarde. Regardez d'un œil sombre. Non, non, c'est Christophe Alévic. Je vais poser une question à Marc parce que là, tu viens du même endroit que Jamel et Anelka. De Trappe, ouais. Voilà, les deux sont millionnaires. Alors qu'ils y arrivent, t'es nul ou quoi, toi? Ben, j'attends mon tour, tu sais, c'est chacun son tour. Hein. Ouais, il y a un nid là-bas. Non, mais c'est pas... Il y a une fée qui a... Ouais, il y a une espèce de fée, ouais. Et cette fée-là s'appelle Jamel, en ce qui me concerne. Où sont les femmes? Où sont les femmes? C'est-à-dire que c'est quand même assez macho, votre groupe, quand même. Eh bien, nos femmes, elles travaillent. Ce sont des femmes actives. Qui rentrent plus tard que nous à la maison. Mais non, pas nos femmes, pas nos femmes. Donc, vous n'êtes pas homo? Comme votre ami. On n'a pas le droit de le dire, c'est un secret du spectacle. Écoutez, c'est marketing. Deux mecs qui travaillent ensemble sont pas toujours homo, enfin. Oh, c'est parce que c'est un des thèmes récurrents du spectacle. C'est-à-dire que moi, je suis un peu le raciste, et Omar, pour se défendre du racisme, devient homophobe. Ah, très bien. Que je trouve assez intéressant. Allez, c'est à 20h au Théâtre du Temple, en ce moment, et en plus, vous pourrez les applaudir pendant la nuit, samedi prochain, dans la nuit de samedi à dimanche, pour la nuit du rire. À l'Olympia. Ne bougez pas, parce qu'il y a quelqu'un qui, lui, alors là, c'est sûr, il vous connaît, parce qu'il vous a sûrement croisé dans les couloirs de Canal, c'est Jérôme Bonaldi. Bon, vous les avez croisés, ces garçons-là? Oui, dans les couloirs. Je voudrais vous parler de la vie ordinaire, banalement ordinaire, dans la cuisine ordinaire, avec des ustensiles ordinaires. Dans l'électroménager, on appelle ça le blanc. Les frigos blancs, les machines à laver blancs, machines à laver le linge, la vaisselle, tout ça, c'est blanc. C'est triste et c'est uniforme. Regardez, ça, voilà un truc qu'on a pris exprès de moche. Oh, mais c'est chic. Il était moche, mais non, regardez, ça. Maintenant, il est beau. Ah, oui, et bien maintenant, il s'égaye. Et vos enfants? Ils vont être là, dans la cuisine, alors que vous préparez les repas. Ils vont s'amuser. Et qui sait, regardez. Ah, c'est, vous avez vu comment c'est? C'est magnétique. Top. Je le mets comme vous. C'est un petit circuit de billes. Que c'est très long à mettre en route. Que je ne sais pas si on l'a bougé pendant... Regardez, je fais glisser la bille. Ding, dong, ding, 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 ding. Oui, c'est bien. Ding, boum, pif, paf. Ah, bravo. Ah ouais. C'est bon. Et on peut inventer comme ça tous les circuits possibles et imaginables. Si votre enfant, il va pas devenir hydraulicien ou balisticien, il y a d'autres modèles. Regardez, c'est la même chose. Ça, alors ça aussi, c'est magnifique. Beau. Ça se met un peu où on veut. Alors j'ai mis, vous savez, on peut la gagner. J'ai mis comme ça. Tiens, celui-là, je vais le mettre là. Et votre gamin, après, peut-être qu'il va faire centrale, polytechnique, on sait jamais, les mines, les fonds, il va devenir ingénieur. Oh, c'est pas bon, ça. Magnifique. Ah non, c'est bien. Et ça? Ah, ça. C'est un autre jeu. Venez avec moi, vous allez jouer. Voilà, vous vous rappelez du film Rollerball? Eh bien, vous savez, il faut tourner et puis il faut foutre l'autre dehors. Ben, c'est la même chose, mais avec des voitures. Mettez-vous ici, à côté de moi, voilà. Vous avez la rouge, d'accord? Et quand vous appuyez sur une touche, ça ne va pas vite. Quand vous appuyez sur les deux en même temps, ça va plus vite encore, d'accord? Et le but, c'est de sortir la voiture de l'autre. Vous êtes prêts? Attention. Voilà, hop! Le premier qui sort la voiture de l'autre a gagné. Ah, ça y est, il a perdu. Attendez, parce qu'on recommence une fois. Allez-y, on un y retourne. Un point pour Omar. Ça rend dingue, non? Allez, vas-y, vas-y. Alors, quand elle tombe, après, elle se casse. Et bing, ça casse complètement. Bim, ça résiste à tous les chocs. Et ça se refait derrière. Voilà. Super, c'est bon, simple, ça vient de sortir. Mais écoutez, je vais en prendre 10, Jérôme. Tu me fais un prix. Comme on se connaît, tu me fais un prix. Faut passer. Revenez pour les étrennes. D'accord. Jérôme Bonaldi. Allez, la nuit du rire, samedi soir, avec des tas d'humoristes, dont Omar et Fred. C'est au profit du Secours Populaire, ça c'est très bien, à partir de 23h45 dans la nuit de samedi à dimanche, nuit du rire avec Rire et Chanson, il faut le dire. C'est à l'Olympia, des tas d'humoristes, dont Omar et Fred, mais surtout ceux qui veulent voir le spectacle entier d'Omar et Fred, c'est au Théâtre du Temple à 20h tous les soirs. Merci à tous les deux. Merci à vous. Nous allons maintenant accueillir une des chanteuses françaises dont on peut dire qu'elle est une véritable icône. Elle a chanté pour nous Tous les garçons et les filles, c'est pas ce qu'elle préfère. Comment te dire adieu, Des ronds dans l'eau, Mon ami la rose, Message personnel, J'écoute de la musique soul. Puisque vous partez en voyage, c'est plus récent, c'était un duo avec Jacques Dutronc, une reprise de la chanson de Mireille. Tirez pas sur l'ambulance, voici Françoise Hardy, attention.
C'est pour un nouvel album. Tant de belles choses. Bonsoir Françoise, je l'embrasse. Nouvel album, tant de belles choses, signé Françoise Hardy et toute une équipe, il faut le dire, de compositeurs que vous avez soigneusement sélectionnés, qui sont des amis à vous. Je ne les sélectionne pas, c'est eux qui m'amènent, enfin il y a plusieurs personnes qui m'amènent des chansons et je prends les chansons qui me plaisent. De toute façon, je sais dire les phrases qu'il faut pour l'énerver, Françoise Hardy. Non, pas du tout. Regardez, je vais commencer. Alors un album qui a essentiellement été travaillé par Benjamin Biolay. Hein. Pourquoi ça m'énerve ? Eh bien non, pas du tout. Il n'a pas du tout participé à l'album. Il m'a amené une chanson. Il m'a amené trois chansons il y a 3-4 ans. Et je lui ai dit que je ne savais pas si j'allais faire un album ou pas. Et finalement, je lui ai bloqué une chanson que j'ai effectivement enregistrée, mais pas avec lui comme producteur. Voilà. C'est une chanson parmi 12 autres qui a été réalisée par mon fils Thomas. Et je trouve formidable ce qu'il a fait avec ses musiciens derrière cette chanson. Pierre Bénichou, vous avez écouté cet album? Oui, j'ai écouté cet album. Moi, je suis un fan de Françoise Hardy parce que... Enfin, je veux dire, je ne veux pas dire que je l'ai interviewée quand elle avait 17 ans, mais c'est vrai. Bon, et qu'on disait, elle est jolie, mais elle est un peu garçon manqué, un peu anguleuse, comme ça. À 30 ans, elle sera formidable. Eh bien, le double de temps, elle est encore mieux, quoi. C'est ça qui est... C'est vrai. Mais vous avez une descendance qui est tragique. Tous ces jeunes d'aujourd'hui qui sont comme ça, qui disent comme ça, et qui nous rendent fous. Bon, Vincent Delerme, c'est pas quelqu'un qui compose vraiment des mélodies. C'est pour ça qu'il est un petit peu ennuyeux, je dirais, pour certaines personnes. Ah, mais sinon, dans les jeunes artistes qui font partie de la même famille que moi, Benjamin Biolay, Karen Anne et même Carla Bruni sont vraiment des gens... très très talentueux, je trouve. Christine, bravo. Oh là, tu m'as fait peur. Pardon de vous réveiller. Hein, non, tu m'as fait peur. J'adore ton Régicolor. Alors, elle ne veut pas croire qu'il n'y en a pas, il n'y a rien. Voilà, donc c'est très joli. J'espère bientôt avoir cette couleur. Et je l'ai reçu quand même assez souvent, donc j'ai aucune question à lui poser. En revanche, ça t'ennuie pas que... Oui, froufrou. En revanche, ça t'ennuie pas que je t'en pose sur moi? Ah mais oui, c'est puisque tu veux, mais je t'en ai trop posé, donc maintenant je sais tout. Je suis taureau, oui. Ascendant capricorne. Donc un peu lourde parfois. Ah, vous l'avez cherché, Christine. Ne tire pas sur la balance, j'ai perdu 2 kilos. Un peu basique, quoi. Ah bon, très bien, sympa. Donc, ça, dans cette question... Je suis taureau, assis en capricorne. Et mon amoureux, il s'appelle Paco, il est né un 5 juillet, donc il doit être cancer. Oui. Est-ce qu'il me trompe? L'astrologue, elle n'est pas voyante. Écoute, si tu es, je vais utiliser un qualificatif très vulgaire, si tu es aussi chiante que la combinaison taureau-capricorne porte à l'être, c'est vrai, il va pas tarder à le faire. C'est pas fini. À mon avis, même alors qu'il est, il est cancer ascendant vierge. Hein. Ouais. Là, je crois que t'as le taureau dans la lune. Qu'est-ce qui m'irait comme signe pour par exemple, si je change... Une autre émission. Moi, quand je l'entends parler astrologie, je préfère encore l'entendre chanter. Voici tant de belles choses, un extrait d'une des chansons de l'album. L'amour qui fait battre nos cœurs va sublimer cette douleur, transformer le plomb en or. Tu as tant de belles choses à vivre encore. Tu verras au bout du tunnel se dessiner un arc-en-ciel et refleurir les lilas. Tu as tant de belles choses devant toi. Ça, c'est un peu une chanson testament. Sylvie, qui n'a encore rien dit. Alors, il a peur.
Non, non, j'ai pas peur. Moi, si je devais être une femme, je serais Françoise Hardy. Sûrement. Pourquoi ? Ça a fait rire. Pourquoi ? C'est vrai qu'avant, avant de faire l'émission de Laurent Ruquier, qui m'a ouvert les yeux sur pas mal de personnes que je ne connaissais pas, oui. J'avais des œillères, Mylène Farmer, Madonna, Michael Jackson, oui, etc. Oui, classique, quoi, et le c'est classique. Vrai que, et ben, j'ai enlevé ces œillères, et c'est vrai que je tombe sur des artistes comme vous, mais alors là... vous êtes à la limite par moment, quand j'ai un coup de blues, vous êtes un soleil, un rayon de lumière, ma lune, mon océan, vous êtes ma tête, mes chansons, ma respiration, vous êtes mon air. Enfin bref, j'ai découvert votre univers et je suis vraiment pas déçu. Et voilà, je voulais vous dire que... Lis ton poème. Oh non. Il a écrit un poème. Il est vraiment chaud. Tu veux pas fermer ta gueule. Vous avez raison, Christine, lisez votre poème. Si il y a des vers, amenez vers vous. Allez, le poème. Au bout du transistor, il y a votre voix et des émotions que je ne dirai pas. Vous êtes là, on ne vous oublie pas. Votre plus belle histoire d'amour. Non, notre plus belle histoire d'amour, c'est vous. Non. C'est toi, mais ça... mais vous... Alors, il y a plein de ratures, donc j'essaie de voir ce que j'ai relu. Enfin, voilà. Il y a des paquets aussi. Non, la chute est belle. Notre plus belle notre plus belle histoire d'amour, c'est toi, vous. Parce que ça ne rimait pas. Voilà. Ah, mais enfin, c'est, voilà, pas... c'est bien, non, mais c'est nul, tout c'est nul. Christophe Alévec, c'est à vous. Moi, je vous ai écrit une chanson. Ah non! Oh, c'est dur, hein? Écoute! Voilà. Bravo! Bon, alors, moi, je vais être assez subjectif parce que moi, je suis comme Pierre, je suis un fan de base au départ. Par contre, j'ai vu un truc que vous avez dit sur la chanson française. Quant à ce qu'on appelle la nouvelle chanson française, je la trouve trop, souvent trop française. Alors, est-ce que vous pouvez éclairer ma lanterne? Oui, ça veut dire, enfin, trop franchouillarde, ça veut dire, quoi. Pas très, pas assez mélodique, faisant un petit peu cabaret rive gauche, c'est un peu Vincent Delerme, quoi. En tout cas, pour la promotion de cet album, vous faites des émissions de télévision, et c'est tant mieux, ça nous donne l'occasion de vous recevoir, mais aussi des séances dédicaces. Et Perry Cochin s'est rendu à une séance dédicace. Oui, absolument. Dans un grand magasin à Paris. Et on est arrivé, je descends de ma voiture, et là, c'était... Noir de monde, comme vous pouvez le voir, c'est noir. Ah oui, elles sont bien vos photos, c'est réussi. Non, mais noir, c'était pour illustrer justement le noir de monde. Ah oui, les gens étaient extrêmement calmes, hyper disciplinés. Contrairement à certaines dédicaces où il y a une hystérie, là, c'était zen. Les gens qui attendaient dans les escaliers la photo qu'on a vue, il y en a un qui dit « Mais qui c'est ?» Et l'autre lui dit « Ouais, c'est une ex à Johnny, laisse tomber. » C'est vrai, je te jure, texto. Et alors ? Alors donc voilà, elle arrive et direct, elle s'assoit. On la voit là, la petite tache, voilà. Bon, voilà. La petite enfin, tache, non, on pas dit la pas ça de Françoise Hardy. Mais non, sur la photo. Ah oui, là-bas dans le voilà, fond. Voilà, dans le fond. Et elle commence direct à dédicacer tout et n'importe quoi. Parce non, que... non, il n'y avait pas beaucoup de n'importe quoi. Non, non. Ah bon, un petit peu quand même. Alors, des disques, évidemment, comme on voit là. C'est mieux, c'est fait pour ça. Mais aussi affiches, t-shirts, tout, et aussi des guitares. Il y a quelqu'un qui a demandé à c'est faire dédicacer oui. sa guitare. Et donc, ça, Arnaud... c'est bien sur une guitare. Non, ouais. J'ai trouvé ça génial. Et Arnaud, donc, le propriétaire de cette guitare, très jeune, comme vous pouvez voir, je lui dis, mais comment ça se fait que vous voulez faire dédicacer votre guitare par Françoise Hardy? Il dit, ouais, c'est vrai, je ne suis pas la génération Françoise Hardy, mais je l'adore, j'ai une vraie passion pour elle. Et alors, ce qui est très amusant, c'est que dans le public, il y avait toutes les générations confondues. Là, vous voyez, un père avec sa fille, je suppose, enfin, j'espère. Et donc... tu vois, c'est sa maîtresse, il va se faire larguer ce non, soir. Non, non, t'as l'air con, là, je te le dis. Non, j'ai demandé si on pouvait diffuser, ils m'ont dit oui, il n'y a pas de problème. Vous faites ça aussi, mais on me demande. Moi, j'aime pas ça, je refuse. Moi non plus, j'aime pas ça. Sur le corps. Non, voilà, non, j'aime pas ça. Vous avez raison. Et le pire, c'est les gens qui te passent. Attends, j'ai un copain qui t'adore, il te passe le téléphone. Oh, oui, ça arrive, ça. Oh, non, oui, non, ma mère vous adore, en général, moi. Alors, t'es là, téléphone, oui. Bah oui, c'est moi. Non, mais raconte à François la vie de star, parce que ça va. Quel vieux ronchon, hein. Dès que c'est pas à toi qui parle, tu fais chier les autres. Gardez vos distances, sans ça je vais vous donner de l'élan, moi, mon cher. Vos sarcasmes glissent sur la trajectoire intersidérale de ma spatiale indifférence, cher Pierre Bénichou. Avec ça, 15 ans.
Il y a de l'ambiance ici, hein, oui. Et un bon esprit aussi. Tant de belles choses, c'est signé Françoise Hardy. C'est son nouvel album. Merci d'être venu nous le présenter. Restez quelques minutes avec nous, juste pour le Qui a déconné. Alors, je vous propose, tiens, quelqu'un qui n'est pas dans notre classement, c'est Michel Drucker. Qui n'aime pas Michel Drucker, hein, Françoise Hardy? Et voilà, il a fait une petite connerie, Michel. J'ai lu ça dans le Canard Enchaîné ce matin. C'est qu'il a fait du vélo avec Nicolas Sarkozy. Ça, bon, c'était pour préparer l'émission, faire des photos pour la presse. Et le Canard Enchaîné nous raconte qu'en fait, Michel, à un moment donné, à bicyclette, a percuté Cécilia Sarkozy, il a changé de direction au dernier moment, et pouf, elle a goûté le bitume, Cécilia, il l'a fait tomber de son vélo. Alors il paraît que c'est Bernadette qui aurait payé Michel Drucker et Jacques Chirac qui aurait demandé de les emmener en hélicoptère la prochaine fois parce que ce serait plus radical. Bon, c'est pas méchant comme bêtise, mais il faut faire attention à bicyclette, c'est dangereux aussi. Alors moi je me dis, c'est parce que c'est un professionnel, il doit savoir maîtriser son vélo, mais bon, un accident peut arriver. Pierre Bénichoux. Moi je me dis aussi, je me dis pour deux raisons. Parce que c'est une faute très grave quand même de ne pas savoir maîtriser son vélo, comme elle le dit, et que comment lui confier un hélicoptère dans ses, si on ne sait pas conduire son vélo. Mais quand même, tout le monde dit toujours que Drucker, il ne fait que la promotion des gens. Là, pour une fois, il a provoqué la chute de quelqu'un. C'est déjà ça, Maureen Dor. Alors, moi, je lui mets zéro. Je trouve que ça le rend très humain. Ça fait 30 ans qu'il n'avait jamais dérapé et qu'il n'était jamais rentré dans l'art de personne. Alors, je trouve ça très, très bien. Voilà, faire tomber Cécilia de bicyclette, moi, c'est j'ai pas mis mal. Zéro. Moi, je trouve ça sympathique, cette histoire. Écoute, c'est la vie. Christine, bravo. 30, le prince... 30, le prince... On vous écoute, Christine. Le prince du peloton a déraillé. Oui. Je crois qu'il va falloir la rentrer bientôt. Christophe à l'évêque. 30 points, c'est le tarif. Hein. Pour une mamie, c'est 60. Et une maman avec une poussette, c'est 100. Zéro point pour Françoise Hardy, pour Michel Drucker. Parce que j'ai été convaincue par l'argumentation de Maureen. Voilà, je la reprends mot pour mot. Il vous a fait un dimanche, Michel Drucker, déjà? Oui, oui, il y a un certain temps. Ah, bon. Il a fait de la bicyclette avec vous? Pas encore, ça ne risque plus maintenant. Faites aucun sport, rien du tout, pour vous entretenir alors que vous êtes quand même... Je fais de la gymnastique. Ah, bah voilà. Allez, j'ai un autre nom à vous proposer pour le Qui a déconné, c'est l'entraîneur du Paris Saint-Germain. Attention, parce qu'il est bien placé déjà dans notre classement, il a déjà 600 points, donc il pourrait même passer en tête, allez savoir, ce soir. Vahid, il parle de lui à la troisième personne. Il dit Vahid a plein de mots pour reconstruire sur les états d'âme, et c'est lui qui le dit. Hein. Au lieu de parler à la troisième personne, il ferait mieux de parler aux 11, et si il n'écoute pas ses consignes, peut-être qu'il devrait faire tous au PSG comme Depardieu, jouer avec une oreillette pour suivre l'entraîneur. En tout cas, le résultat a été vraiment pathétique hier soir. Combien? Pathétique, tu l'as dit, 30 points. Pierre Bénichoux. Moi, je mets zéro parce que j'en ai marre de ce haro sur l'entraîneur qu'on fait maintenant. Les entraîneurs ont le droit d'avoir des mauvaises passes et d'avoir, si on peut dire, et de perdre trois matchs de suite sans qu'on les vire. Puis en plus, moi, j'aime bien les Slaves. Maureen Dor. Alors, moi, j'y connais pas grand-chose. Je donne 30, mais il parle beaucoup de moral. J'ai l'impression que cet homme, toujours à l'âme, au moral. Footballeur, c'est quand même courir vite, attraper le ballon, rendre le ballon. Peut-être juste les faire bosser plus physiquement que mentalement, non? Stevie. Moi, j'y mets le carton rose. Ah, 20 points. Oui, parce que c'est pas des hommes qu'il a. Là, c'est des femmelettes. Oh. Se faire battre par des Russes. Mais c'est quoi ce PSG, enfin? Mettez-nous des hommes. Ah ouais. moi, je dis que oui, le PSG n'étant pas dans le championnat... C'est super, ça nous fera moins de foutre. Oui, vous pouvez venir la chercher, les gars. Hein. Ça nous fera... Mais non, ça nous fera moins de foot à nous cogner avec nos mecs. Parce qu'en fait, oui, c'est pour ça que c'est mieux de dire foot. Moins de matchs à suivre à la télévision. Et voilà, donc voilà. Donc zéro point, vous êtes heureuse. Oui, j'ai compris, j'ai suivi le raisonnement. Christophe à l'évêque. Alors, 30 points. je n'aime pas les gens qui parlent à la troisième personne et lui, il n'arrête pas. Vahid a fait ça, Vahid, etc. Voilà. Donc, il lui met 30 points. Et vous, Françoise Hardy? Moi, 30 points parce que je n'aime... Enfin, c'est pas que je n'aime pas, mais les footballeurs m'ennuient, les entraîneurs m'ennuient, tout ça ne m'intéresse pas, donc voilà, 30 points. Ça fait un total pour l'entraîneur du PSG de combien? 140 points! Je vous annonce, mesdames et messieurs, je vous annonce que l'entraîneur du Paris Saint-Germain
voyez que c'est important. Passe ce soir en tête du kick à déconner. Ça, c'est un événement. Veille d'aller au ditch. À cause de vous, François Hardy, il est en tête. Il a, non, même sans vous, il serait passé en tête parce qu'il a 740 points, donc ça s'est joué à deux votes. Voilà. Il est en tête de quelque chose. Ils viennent passer devant M. Raffarin et M. Douste Blasi, mais je les connais. Ils ne se laisseront pas faire longtemps. Alors, tant de belles choses, c'est le nouvel album de Françoise Hardy et ça donne un bel album, 12 nouvelles chansons, tant de belles choses. Merci Françoise. Merci. À demain. Merci.